بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du gouvernement, les membres de nos institutions, le corps diplomatique, mon cher frère Jean Zerbo, archevêque de Bamako, pasteur, représentant du Monsieur le Pasteur,
Volontairement par l'adhésion des populations à cette religion.
ils n'ont pas été forcés. Ce n'est pas les fusils, ce n'est pas le sabre. Non, les Maliens ont volontairement adopté l'islam comme religion depuis aujourd'hui un millénaire. Donc, nous n'avons pas besoin, nous, d'être forcés, de nous contraindre à cette religion. Qui est d'ailleurs contraindre quelqu'un, c'est même contraire au principe de la religion. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion musulmane. Et j'ai voulu le dire, et surtout lancer cet appel à l'endroit de notre jeunesse aujourd'hui, et interpeller aussi nos gouvernements pour créer les conditions qui nous permettent vraiment d'avoir un élan, d'aller ensemble, de créer les conditions de confiance dans nos institutions. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que nos gouvernants sont quelque part, nous aussi nous sommes de l'autre côté. Avec cela, nous ne pouvons pas faire face aux défis de l'heure. Seule l'union, vraiment, ensemble, peut nous aider aujourd'hui à relever les défis auxquels notre pays fait face. La sécurité, toute sécurité, ne peut pas. Il faut nécessairement créer une confiance aujourd'hui entre tout le monde, tous les enfants de ce pays, tous ensemble, gouvernés comme gouvernants, administration, administrateurs comme administrés, et tout le monde. Ça, nous avons besoin de le faire. Mais si les gens n'ont pas confiance dans les institutions, les gens ont l'impression que là où ils doivent aller se confier pour être à l'abri du mal, c'est là où le mal se trouve, qui est l'État. Ça crée une situation difficile dans un pays. Et ça, je me dois de le dire aujourd'hui. Je crois qu'interpeller les musulmans, parler à l'endroit des musulmans, mais aussi interpeller nos gouvernements pour leur dire, nous avons besoin de cela aujourd'hui. La communauté internationale ne peut pas éternellement être là. La sécurité de notre pays dépend entièrement de nous. Et on ne peut pas la gagner sans une union forte, une confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ça, il faut créer ces conditions de confiance. Il faut le restaurer. C'est cette confiance-là qui est entamée. C'est ce qui a fragilisé les institutions et ça finit par fragiliser le pays. Nous avons besoin aujourd'hui de revoir cela. C'est en gros ce qui a été dit comme message et demander aussi à tous les musulmans, tous les enfants de ce pays, de se concéder la main parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont autres, il y a quelque chose qu'on appelle ici le dambé. On est tous koulouvali, donc il y a quelque chose qui nous unit avant même les religions. Et ça, c'est au Mali qui prouve ça. C'est ça notre force. C'est ce qui nous permet de résister à beaucoup de choses. Il faut préserver cela. Voilà en gros ce que j'ai dit, que chacun vraiment a fait. Je crois que ça suffit. Non ? D'accord. Voilà. Pour maintenant compléter, je crois qu'on va faire la fatia ensemble. Ou bien, je ne sais pas, je vais donner la fatia à Monseigneur. Monseigneur, tu vas en boudou, il y a qu'un astra'in, et d'un astra'at al-mustaqim, sera'at al-dadina, on a mis en alayhim, aïr al-maqtoubi, alayhim, wa l'abdal, et d'un salam.